Le décor tout neuf est en place depuis lundi dernier. Les caméras automatiques sont prêtes. Dès demain, vous pourrez non seulement continuer à écouter les animateurs et journalistes de France Bleu Creuse, mais aussi les regarder sur notre chaîne. C'est une nouveauté pour France Bleu Creuse et pour tout le réseau France Bleu. C'est vraiment l'image, c'est une évolution dans le média radio. Et pour nous, l'intérêt, c'est encore plus de notoriété. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des voix. Maintenant, on va avoir l'image. Voilà, c'est ça le plus. Une petite révolution pour nos confrères qui n'avaient pas forcément vocation à apparaître à l'image. C'est l'évolution, quoi. C'est l'évolution. Il faut faire partie de cette évolution-là. Et puis, c'est ça. C'est un nouveau défi. C'est des techniques différentes aussi qu'il faut apprendre. Je vais pas dire c'est un métier à part entière. C'est pas ça, mais c'est une découverte de plein de choses qu'on n'imagine même pas quand on fait de la radio. Visible uniquement en Creuse, la matinale filmée vous permettra de bénéficier d'un créneau d'information supplémentaire sur France 3. C'est une collaboration d'abord tout à fait inédite. Ici à Guéret, c'est la troisième matinale radio qu'on lance sur les antennes régionales de France 3. Évidemment, l'intérêt pour France 3, c'est d'élargir son offre de proximité. Le matin, jusqu'à présent, sur nos antennes régionales, il n'y avait pas d'infos. Avec l'association que nous avons lancée ici avec France Bleu, eh bien, les téléspectateurs pourront bénéficier de toute la puissance de France Bleu, notamment du côté de l'information, pour avoir de l'info dès le matin. Le coup d'envoi est donc donné dès demain matin à 7h sur les fréquences radio habituelles et sur le canal 3 de la TNT.